Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Je ne suis pas d'ici, je suis des Ardennes. Et j'avais comme professeur Gilles Clément. Il y a une trentaine d'années, il m'a invité chez lui en Creuse et c'est comme ça que j'ai découvert le pays. La Creuse me plaisait et donc j'ai décidé de m'y installer. Donc j'ai acheté un bout de terrain qui était au bord de la Sédève. Toutes les années, j'ai réussi à acheter des parcelles pour agrandir la propriété et jusqu'à avoir une douzaine d'hectares. Donc je suis parti de la rivière et je suis monté jusqu'à la route. Ce qui a permis en fait de pouvoir imaginer la création d'un arboretum. Voilà, la première étape, c'était en fait de mettre une structure. Donc ça a été le positionnement de la charmille. Et en fonction de cette charmille, toutes les plantes ont été positionnées en fonction de cette structure. Et donc on a voulu faire une sculpture végétale, donc c'est un peu inspiré du land art. Et donc c'est un peu la colonne vertébrale. Donc on a voulu aussi respecter l'esprit du lieu. La première parcelle, c'est très agricole. On est entouré de champs, donc on a voulu garder cet esprit-là. Et après, plus on descend, plus c'est travaillé. Mais après, on rentre dans la forêt, donc on a travaillé les lisières de forêt. On aurait pu planter, cloisonner, et en fait, on a évité ça, et on voulait garder vraiment ce couloir qui descend jusqu'à la Sédève. La caractéristique du lieu, c'est de trouver l'habitation en fin de parcours. En général, les jardins, on voit d'abord la maison et ensuite le jardin derrière. Et là, c'est l'inverse. Donc ça crée un peu une surprise, parce que personne ne s'attend à voir une habitation dans le fond. Et quand on passe l'habitation, après, on retrouve la nature avec la falaise, et ça surprend encore plus. Ça donne de l'intérêt à la promenade. La falaise, en fait, c'est la roche-mère, et c'est le lit de la rivière. La rivière était beaucoup plus large, et beaucoup plus profonde, c'était vraiment un canyon. Et ensuite, avec la fonte des glaces, et après la rivière est devenue ce qu'elle est maintenant, quoi. C'est un arboretum paysager. Donc notre démarche, c'était en fait d'essayer d'intégrer les essences exotiques dans un milieu local, bocager. Donc l'option, c'était d'abord botanique. Et puis, on a mis des choses qui existaient sur le lieu. Donc il y avait des chênes, on a mis une toute petite collection de chênes, puisqu'on est quand même un arboretum de 12 hectares, c'est pas très grand. On a choisi les érables, donc on est un conservatoire pour les érables. On a à peu près 80 en espèces botaniques, espèces et sous-espèces, et puis une trentaine de cultivars. Ce qui nous intéressait le plus, c'était en fait tous ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les Chinois, ceux qui proviennent de l'Himalaya, les Coréens. Et donc tous les érables à peau de serpent également. Et les Acer griseum. On a fait un essai de plantation en groupe. En général, on plante toujours en isolé. Et en groupe, c'est très impressionnant, en fait, surtout l'hiver. On essaie de récupérer des graines au niveau de notre arboretum. C'est-à-dire qu'on implante des espèces botaniques qui vont fructifier. Ça se ressème sur place. Et après, on les remet dans l'arboretum. Donc là, on est sûr que ce qui va ressortir va être solide au niveau du froid, va être adapté au terrain et va pousser mieux que le premier sujet qu'on a implanté.